Donc lorsqu'on termine, on va donc terminer les dernières mailles. Donc, je laisse le marqueur ici, on tourne le travail. Alors on va arrêter une maille et deux mailles. Alors ici on continue avec le point ajouré. Donc vous avez une maille à l'envers, une double maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une double maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une double maille à l'endroit, ainsi sur toute la rangée. On va répéter, pardon, on va réaliser donc la deuxième rangée du point ajouré. Voilà. Donc comme pour le dos 1, vous montez deux rangées après la première série de diminutions. Et là, nous sommes sur la rangée allée, donc on diminue de nouveau deux mailles. On tricote toutes les mailles à l'endroit, donc la première rangée du point ajouré. Donc vous avez fait deux diminutions, monté deux rangées du point ajouré et deux diminutions. Voilà. Donc on a tricoté toutes les mailles à l'endroit. On est sur les dernières mailles. On tourne le travail. On va diminuer ici, pardon, on va arrêter. Je dis diminuer, on va arrêter deux mailles. Donc après ces deux dernières diminutions, on va monter 6 cm. D'accord? Vous montez 6 cm du point ajouré après ces deux dernières diminutions. Et on va se retrouver tout à l'heure pour la suite. Donc, après les deux dernières diminutions, au total, on a réalisé 4 diminutions. Donc, on a arrêté 2 mailles de chaque côté. Après chaque 2 rangées, on arrête 2 mailles, on fait 2 rangées du point ajouré et on arrête 2 mailles et on va monter 6 cm du point ajouré. Vous allez monter quelques avant de réaliser donc l'encolure du devant. Vous montez 6 cm du point ajouré. Voilà, donc on a monté 6 cm du point ajouré et si on mesure en partant donc des deux premières diminutions, on aura au total 9 cm. D'accord? Après, on va passer donc à la réalisation de l'encolure. On va tricoter donc. Alors, je vais retrouver les explications tout de Ouais. suite. Alors, voilà, j'ai dû retrouver des explications parce que j'étais perdue. Alors, donc, je disais 6 cm du point ajouré plus les 3 cm qu'on a tricoté lorsqu'on a réalisé donc les émanchures des deux côtés et ça nous fait 9 cm au total. Alors, on va tricoter 20 mailles. On va laisser les 20 mailles en attente, donc 2, 3, 4. Donc vous allez laisser 20 mailles de chaque côté. Vous allez laisser 20 mailles de chaque côté. Alors moi tout à l'heure j'ai failli faire 18, 19 et 20. Vous laissez 20 mailles de chaque côté et vous allez arrêter 6 mailles centrales. On va donc rabattre 6 mailles centrales. Et on va continuer donc séparément, travailler chaque partie séparément. On va arrêter donc 6 mailles. Fait.
2, 3, 4, 5. Voilà, donc c'est 20 mailles de chaque côté avant. Voilà, c'est la première diminution. Alors lorsqu'on tourne le travail, on va repartir avec la deuxième rangée du point ajouré. Donc vous avez déjà les mailles comme elles se présentent. Vous avez une maille à l'endroit, double maille à l'envers, une maille à l'endroit, double maille à l'envers, une maille à l'endroit, double maille à l'envers. Donc vous tricotez la deuxième rangée du point ajouré. Voilà. On arrive sur les deux dernières mailles, donc de ce côté, vous avez terminé donc par deux mailles à l'envers. Amélie, on est en train de me bousculer. Alors ici, on va arrêter, on va rabattre donc une maille, deux, 3 et 4. Alors, 4 mailles. On tricote les mailles restantes à l'endroit, donc la première rangée du point ajouré. Donc après cette première diminution des 4 mailles, on va monter 2 rangées du point ajouré. Donc on va réaliser des diminutions après chaque 2 rangées du point. Donc là, on a terminé la première rangée du point. Donc, 4 premières diminutions. On fait la rangée, la deuxième rangée du point ajouré. Après, vous faites une diminution, vous réalisez donc une diminution, vous montez deux rangées du point ajouré. Voilà. Donc 4 premières diminutions, on tourne le travail, on va remonter donc deux rangées du point ajouré. Voilà. Là j'ai monté donc deux rangées du point ajouré et je vais continuer, je vais rabattre une, 2, 3 et 4 mailles. Donc ça me fait 8 mailles que j'ai rabattues ces deux premières diminutions. Et on tricote toutes les mailles à l'endroit, donc la première rangée du point ajouré. On tourne le travail, on va refaire la même chose. Donc, on va monter deux rangées du point ajouré avant la troisième série des diminutions. Donc, vous avez déjà toutes les mailles bien placées pour la réalisation du point ajouré. Donc, c'est un point très facile, un point de corde très facile à réaliser. Vous prenez les mailles comme elles se présentent. Il suffit donc de refaire la séquence. Ici. Après donc les deux rangées du point ajouré, on va rabattre une, 8, donc 4, 4, 8. On va rabattre une maille, il y en a 3, 4, 5. On va, donc il nous reste 10 mailles au total. On va laisser les 10 mailles en attente. Voilà. Donc, on fait une rangée aller du point ajouré sur les 10 mailles restantes. On fait la deuxième rangée du point ajouré sur les 10 mailles restantes. Donc au total, on a rabattu de 10 mailles et il nous reste 10 mailles parce qu'on a laissé 20 mailles de chaque côté. On va terminer donc par une maille à l'envers et vous pouvez donc une maille, on fait une rangée à l'endroit. Et on va laisser les 10 mailles en attente sur sur un petit bout de fil avant de passer à la réalisation de l'autre
partie de l'autre côté. Donc, vous utilisez un petit bout de fil parce que c'est plus facile de travailler. Je vais laisser les 10 mailles en attente sur un bout de fil et voilà. Alors, je reviens sur les 10, sur les 20 mailles que j'ai laissées en attente. On va refaire le même travail sur ces 20 mailles. Alors, lorsqu'on tourne le travail cette fois-ci, voilà. Alors, je reprends le fil. Et cette fois-ci, donc, on va commencer par rabattre 2 mailles. Alors, toujours 2 rangées après chaque diminution. Pardon, j'ai dit 2. 4 mailles. 2. 3. Et 4. Et on tricote. Donc, ici, vous avez déjà les rangées pour le point ajouré. Vous prenez les mailles comme elle se présente pour cette rangée, première rangée, disons deuxième rangée du point ajouré. Et après cette, donc après avoir diminué, rabattu donc les 4 premières mailles, on va monter 2 rangées du point ajouré et de nouveau on va rabattre 4 mailles comme on l'a fait sur l'autre partie. Donc vous montez rangée allée cette fois-ci. Et puis vous allez faire une rangée retour et de nouveau une rangée aller avant de rabattre les 4 prochaines mailles. Donc vous montez 2 rangées du point ajouré. Donc là je suis sur les dernières mailles. Voilà. Je tourne le travail. De nouveau on va rabattre donc 1, 2, 3 et 4 mailles. On prend la deuxième rangée du point ajouré, donc une double maille à l'envers, une maille à l'endroit, pardon, double maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers sur les 11 mailles restantes. Et de nouveau, on va monter 2 rangées du point ajouré avant de rabattre la seule maille, donc la dernière maille. Vous montez 2 rangées du point ajouré. Donc vous tricotez, donc ça c'est la première rangée. Vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Donc voilà. Donc 2 rangées après les 4 dernières diminutions, on va rabattre cette fois-ci 1 maille et on va tricoter donc les 10 mailles. De nouveau, je fais une rangée aller et une rangée retour et je vais laisser en attente les 10 mailles avant de passer à la réalisation du moitié donc du second dos. Donc là, on va monter. Voilà. On a laissé les 10 mailles en attente de chaque côté et on revient sur la dernière moitié, donc le dernier morceau. Ici, on va réaliser les mêmes diminutions. Donc, on va faire le dos, mais en sens inverse. Voilà. Donc, on va rabattre 2 mailles tous les 2 rangs.
On va refaire la même séquence. Donc, on va rabattre deux mailles tous les deux rangs. Après, on va monter 9 cm donc du hauteur de l'émanchure avant de former l'encolure. Donc, on va suivre les mêmes explications qu'on a fait pour le premier dos. Donc, je disais, on va suivre les mêmes explications. Donc, vous avez deux mailles rabattues, deux rangées du point ajouré, deux mailles rabattues. Et puis, vous montez, pardon, vous montez 9 cm du point ajouré avant la formation. Donc, je disais, avant de former l'encolure. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui est coincé dans ma gorge. On va faire donc la même séquence. Deux rangées, vous allez rabattre deux mailles et vous montez 9 cm avant de former l'encolure. Voilà. Donc 9 cm en partant des deux premières diminutions. Voilà comment elle se présente. Alors donc cette fois-ci, on va rabattre les mailles côté encolure. Donc sur la rangée retour. Donc vous tricotez la première rangée à l'endroit. Tricoter toutes les mailles à l'endroit. C'est quoi ça un peu? Donc, toutes les mailles tricotées à l'endroit. Voilà. Alors, lorsqu'on tourne le travail, on va rabattre une fois 6 mailles aussi 1 2 3 4 5 et 6. Voilà, on tricote toute la rangée. Donc on va prendre la deuxième rangée du point ajouré. Donc regardez bien la maille, double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit et une maille à l'envers sur les mailles restantes. On va terminer donc la rangée retour. Une maille à l'endroit, à l'envers, double maille à l'endroit et on tricote la dernière maille à l'endroit. De nouveau, on fait une rangée tricotée à l'endroit. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit avant de diminuer. Donc, 2 fois 4 mailles.
Alors, donc, après avoir formé l'encolure, on va laisser en attente les 10 mailles. Alors, on va utiliser, comme pour les autres parties, on va utiliser un bout de fil pour garder les mailles en attente et puis réaliser donc la couture. Vous voyez, 10 mailles, 10 mailles pour chaque épaule. Vous laissez en attente. Alors, avant de passer à la réalisation des manches et aux finitions. Donc, vous allez réaliser la couture comme je l'ai fait sur les derniers tutoriels. Vous allez réaliser la même couture sur les 10 mailles de chaque côté. Je vais couper ici, on va laisser le bout de fil qui va nous servir pour la couture et on va passer à la réalisation des manches. Alors voilà, donc on a réalisé la première, donc le travail le plus difficile, mais pas trop difficile que ça, très simple. Le point de la robe et le point du haut de la robe, des points très faciles à réaliser. Alors donc on va passer à la réalisation des manches, ouais, des manches ballon, très jolies manches. Donc pour commencer avec le blanc. Avec des aiguilles numéro 4, je vais monter 37 mailles. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 mailles. Donc vous montez 37 mailles et on va monter donc 4 rangées de points de mousse. Donc vous allez tricoter 8 rangées à l'endroit pour avoir donc 4 barres de points mousse pour le début donc de la réalisation de la manche. 37 mailles, vous montez 4 barres de points mousse. Voilà. Donc vous tricotez toute la rangée, la première rangée, vous tricotez toute la rangée à l'endroit, la seconde rangée aussi tricotez à l'endroit donc pour avoir une barre de points de mousse et vous allez répéter donc ces deux rangées 8 fois pour avoir 4 barres de points mousse avant de passer à la suite de la réalisation de la manche.